Bordel. Je me souviens plus de mon mot de passe. Ce qui est bien, c'est qu'il est tellement secret que même moi je le connais pas. J'ai toujours un peu honte avant d'admettre que j'ai oublié mon mot de passe. À la dernière tentative de connexion autorisée, je me revois en CP quand la maîtresse me demandait si j'avais appris ma poésie. Y'a pas une gentille phrase qui te dit « Vous avez oublié votre mot de passe ?» Mais pas de problème, ça arrive à tout le monde, vous inquiétez pas, on va vous aider. Non, c'est juste marqué. Mot de passe oublié. Ce qui en vrai sonne un peu comme « T'es vraiment une merde ?» Pour récupérer son compte, il faut répondre à une question secrète. C'est pas une énigme posée par un druide en haut d'une montagne. C'est vraiment une question toute pourrie où t'es obligé d'avoir la réponse. C'est pas pour t'aider qu'ils font ça, c'est pour t'enfoncer encore plus. Ah, t'as oublié ton mot de passe ? Bon, on va te poser une question facile, hein ? Une question pour les teubés, où on sera certain que t'aies la réponse cette fois-ci, hein ? Quel est le prénom de votre maman ? C'est jamais le prénom du père qui demande, tout simplement parce que celle qui veut que t'ailles niquer, c'est ta mère. Ton nouveau mot de passe, faut des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. C'est pas un mot de passe, c'est une lettre de menace d'un tueur en série. Pour me souvenir de mon nouveau mot de passe, je change le mot de passe de tous mes comptes pour pas avoir à le refaire. Putain, c'est quoi déjà mon nouveau mot de passe ?